tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avec beaucoup de retard, même un mois de retard je dirais, je vais vous présenter mes colos du mois d'octobre que j'ai réalisés et vous dire si c'est pour quel défi je l'ai réalisé. Donc on va commencer par, dans l'ordre où je les ai faits, donc on va commencer par le carré mystère qui a été fait au mois d'octobre. Donc dedans j'en ai fait qu'un, mais je vous l'avais déjà montré quand je vous avais montré mes livres que j'avais reçus. Donc j'ai fait celui-ci, donc le Dalmatien. Voilà. Alors celui-ci a été fait principalement quand j'ai reçu mes crayons, mes duals. Et en fait, j'ai voulu les tester avec les duals. Voilà. Donc, il a principalement... Bah, d'ailleurs, tout a été fait au dual. Voilà. Ensuite, donc, j'ai rien fait de plus dessus. Hein, il a été fait tout simplement. Ensuite, j'ai réalisé dans... donc là, c'était pour moi perso, hein, le Dalmatien. J'ai réalisé celui-ci. Qui était un colo semaine. Donc celui-ci, je l'ai réalisé donc dans le livre Les Fleurs. Et j'ai fait celui-ci, la page 28. Voilà. Alors celui-ci, c'était un colo semaine. Alors ce que j'appelle un colo semaine sur notre groupe que vous avez toujours en barre d'infos pour celles qui veulent nous rejoindre. Toutes les semaines, on nomine une personne qui nous donne deux numéros de page, une entre 1 et 50 et une entre 51 et 100. Et ensuite, on a la semaine pour réaliser un colo sur n'importe quel livre de colo mystère. On choisit, voilà, on fait selon ce que nous on a envie, hein, le livre qu'on a envie de sortir, et on fait l'une des deux pages. Alors moi, j'ai fait celui-ci. J'ai mis un petit peu de glitter, mais je pense pas que vous le verrez ici au niveau de toutes les fleurs. Voilà, mais on le voit quasi pas parce que c'était, j'ai voulu tester celui de chez ceux d'AliExpress. Et en fait, ça fonctionne pas très bien. Ensuite. J'ai utilisé les duals type pen, donc toujours les mêmes que dans le carré mystère. Et j'ai utilisé également des aquamarqueurs. Et j'ai utilisé ici un petit peu, alors dans ce violet ici, mais pareil, vous ne le verrez pas en plus. Enfin voilà, ah, peut-être un petit peu là, vous voyez un petit effet relief métallique. Celui-ci, je l'ai fait avec le Metallic Brush Pen de chez Action. Voilà. Et j'ai fait les contours avec un Posca vert. Et j'ai fait des petites feuilles, vous voyez, avec toujours un petit Posca métallisé. Voilà, avec un petit Posca métallisé, j'ai fait un petit dessin, des petites feuilles. Quelque chose de très, très simple. Voilà, sur les le bas et le côté. Voilà, celui-ci, moi, je l'ai trouvé magnifique. Je le trouve très beau. Donc, voilà, dans les fleurs. Ensuite, j'ai réalisé un duo colo au mois d'octobre. Le voici. Donc celui-ci, donc j'ai en mois d'octobre, hein, bien sûr, j'ai réalisé un duo, donc dans le livre Les animaux mystères, voilà, dans celui-ci, qui était la page 54. Voilà. Alors, dans celui-ci, j'ai utilisé que des crayons de couleur. Et donc c'est un duo colo que j'ai fait avec Muriel. Et j'ai utilisé les Brutfeiner, les Zonar, des Giotto, je ne sais pas trop comment ça se dit, des Mui, une palette que j'avais eue chez Nose, et les Stabilo Trio. Voilà, je monte d'un peu plus près. Alors sur celui-ci, j'ai rien mis de spécial, j'ai pas fait de contour, j'ai pas... J'ai pas mis de glitter, j'ai pas utilisé de métallique, j'ai tout fait au crayon de couleur.
Voilà. Ensuite, j'ai fait dans un petit bouquin comme ça de chez Action, les Glitter Coloring Book. Alors, j'ai réalisé une petite tasse. Donc ça, c'était un colo pour moi, totalement perso. Donc, j'ai réalisé cette petite tasse. Voilà, donc hein, il y a déjà du glitter dessus. Hein, voilà, là, vous voyez hein, les tasses. Voilà. Et forcément, ben, en mettant la même couleur là et là, on a deux couleurs totalement différentes puisqu'on est dans du dans une zone de glitter. Ensuite, j'ai principalement utilisé, d'ailleurs j'ai utilisé que ça, j'ai utilisé les twin markers de chez Action. Et ensuite, je me suis fait un petit fond. Alors vous voyez, là j'ai commencé par un petit fond gris. Ensuite, je suis partie sur du bleu, en partant sur un bleu un peu plus intense, en partant sur un bleu nuit, et en finissant sur un... Alors, on va dire que j'ai mis un vert, j'ai mis du jaune, etc. Bref, pour arriver à un fond un peu grisonnant, hein, on va dire ça. Et du coup, j'ai rajouté des petites étoiles pour faire l'effet nuit. Voilà, ce que j'ai rajouté en plus du dessin normal. Voilà. Alors, pour faire mon fond, tout le fond, j'ai utilisé les pastels secs de chez Action. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pas un défi du groupe. Ça, c'est un colo pour moi, perso. Ensuite, dans le tome 3, celui-ci, j'ai réalisé un colo semaine, donc la page 15. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai tout réalisé au zonar. Voilà. Et j'ai mis un Posca noir tout autour. Voilà. Alors, je lui ai rien mis de spécial et j'ai utilisé un Posca blanc pour enlever, vous savez, tous les traits de crayon. J'ai mis donc du Posca blanc. Voilà, j'ai mis un petit peu de Posca blanc là, ici. Voilà, et puis surtout au niveau des yeux. Voilà. Je trouve très beau aussi celui-ci. Je vais le mettre de côté parce que j'en ai fait plusieurs dedans. Ensuite, j'ai réalisé dans les coloriages 100% mystère que l'on trouve chez les marchands de journaux, qu'on trouve dans les tout ce qui est presse, hein, donc tout, dans tous les dans les supermarchés, quand il y a un rayon presse, etc. Donc, on peut les trouver là-bas. Donc, moi, sur celui-ci, j'ai réalisé la page 19. Alors, toute l'année, donc ce sont, je l'ai mis dans la catégorie chaussures. Donc, toute l'année sur le groupe, on avait mis des défis à faire pour celles qui voulaient réaliser, qui voulaient avoir des idées de colo à colorier, etc. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire. Et en fait, on avait mis des thèmes. Donc, celui-ci, je l'ai rentré dans le thème des... Alors, c'était chaussures ou chaussettes. Celui-ci, je l'ai rentré dans le thème chaussures. Voilà. Et celui-ci a été fait principalement au crayon de couleur. D'ailleurs, c'est du crayon de couleur partout. Et c'est les crayons de couleur que j'avais achetés chez Lidl. Voilà. Donc, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Hein. J'ai quand même, il me semble, passé par endroit. Ben non, non, parce qu'il continue à lui. Non, non, j'ai rien passé du tout. Je l'ai laissé tel que. Voilà, donc ça, je l'avais passé dans le thème de la chaussure, sur les thèmes de l'année du groupe, parce qu'il m'en restait quelques-uns à faire. Donc après, c'est pas obligatoire, bien entendu. Ensuite, j'ai également fait sur le même bouquin. Ouais, ça va être sur le même. Sur le même bouquin, j'ai également fait la page 24. Sur le thème feuillage. Voilà, donc une petite plante. Alors ici, j'ai utilisé des feutres. Vous dire lesquels, je ne sais plus.
parce que bah, apparemment j'ai pas gardé la petite feuille. Donc je les ai fait au feutre. J'ai rajouté ici une touche. Alors, je sais pas si ouais, vous allez le voir à cet endroit-là. J'ai mis deux bandes ici comme ça en haut pour qu'il y ait un peu de reflet en fait de lumière. Vous savez, comme si que la fleur était posée pas loin d'une fenêtre. Vous voyez, pour dire d'avoir un effet reflet sur deux bandes. J'ai mis les peintures métalliques de chez Action. Vous savez, les petits pots que je vous avais déjà montrés là. J'ai mis ça. Enfin, les petits pots, c'est vendu par 6 ou 7, là. Je n'aime pas si ça s'appelle peinture, au final. Donc, j'avais mis ça dessus. Vous voyez, j'aime beaucoup. J'ai réussi à trouver quasi la même couleur. Et sur le pot, vous voyez, j'ai voulu y faire un effet un peu vieilli au pot. Et sur le pot, j'ai mis du Pearls. Vous savez, les petits flacons vendus chez Action où il y a des paillettes, des pearls dedans, des choses comme ça pour amener une touche un petit peu vieillie, vous voyez. Puis j'ai posé au pinceau, j'ai bien laissé sécher pour faire un effet, vous voyez, ça rend des effets dans le pot, un effet un peu marbré, un peu vieilli, vous voyez, un truc assez, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour moi, dans le thème écriture, ouais, dans le thème écriture, toujours pour le groupe, donc j'ai pris dans celui-ci toujours un glitter coloring book, donc pas le même que tout à l'heure, hein, ça en est un autre, et dans celui-ci, j'ai fait celui-ci, la Girls. Donc celle-ci, donc c'est passé dans le thème écriture. Hein, voilà. Et celle-ci, donc pareil, j'ai tout réalisé. Désolé, il a fallu que je fasse taire les chiens, qu'ils avaient vu quelque chose par la fenêtre. Donc celui-ci, j'ai tout réalisé également au Twin Marker. J'ai rajouté donc un petit fond couleur jaunâtre comme ceci. Alors vous le voyez un petit peu orangé, mais il est bien jaune, hein. Donc ce petit fond ici jaune, je l'ai réalisé donc avec les pastels secs de chez Action. Et vous vous rappelez que dans je vous avais montré chez Action que j'avais acheté des pochoirs. Et donc j'ai fait ces petites choses comme ça, ces petits dessins comme ça au pochoir pour terminer un petit peu le dessin. Voilà, je trouve que ça a un rendu plutôt sympa. Alors, j'aurais pu remettre cette bande-là, j'aurais pu venir la remettre là également. Mais bon, voilà. Bon, je trouvais que c'était bien comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé Attendez. Où je suis arrivée, moi? Les deux colons mystères, le glitter. Alors, on retourne sur le tome 3 que j'avais mis de côté. Donc, on reprend du coup ici ce tome 3. Et dans celui-ci, j'ai fait la page 39. Allez, maintenant, j'essaie de laisser mes petits papiers dedans. Comme ça, je peux vous dire ce qu'il en est. Alors, celui-ci, la page 39 dans le tome 3, c'est également un colo semaine. Donc, dans celui-ci, j'ai utilisé principalement des Staedtler. J'ai utilisé, pour faire le visage, j'ai utilisé les Dual type pen. Et j'ai utilisé un seul crayon Brut Finer. Et un de la mallette de les Crélado de chez Lidl. Voilà. Mais sinon, c'est principalement que les Staedtler que je vous ai déjà présentés. Voilà, je vous monte un peu plus près. Voilà. Et j'ai fait un petit tour au Posca noir. Et avec toujours le Posca argenté, vous voyez, j'ai fait un petit contour. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé également dans le livre Tropique.
Alors là, dans le tropique, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est un colo duo. Oui, au mois d'octobre, j'avais deux colos duo. J'ai réalisé un colo duo, donc la page 14. Avec Magali. Voilà. Je le trouve magnifique, ce dessin. En lui-même, hein, le dessin en lui-même. Hein. Voilà. Je l'ai trouvé également. Alors, j'avais des grosses zones identiques. Vous voyez, regardez comme tout ça, une grosse zone pareille. Le noir, une grosse zone pareille. Ici, une grosse zone pareille. Donc, ça commence un petit peu à me lasser d'avoir vraiment... Parce que moi, je commence à aimer maintenant quand il y a des toutes petites zones. Enfin, là, j'étais... j'étais contente de l'avoir fait. Je le trouve magnifique. Mais voilà, je me suis retrouvée avec des grosses zones identiques. Et ça, j'aime pas beaucoup. Alors, dans celui-ci, donc c'est un duo colo avec Magali. Et dans celui-ci, j'ai utilisé les Brut Finer, j'ai utilisé des Zonar, du Staedtler, du Stabilo Trio, du Zonar et du Giotto. Mais principalement, on va retrouver du Brut Finer. Voilà, je n'ai pas fait de contour, rien du tout, il est resté tel que. Ensuite, j'ai réalisé dans le tome 3, donc, que j'ai rangé, que je vais reprendre. Hop, ouais, j'ai pas mal été dans celui-ci. Dans le tome 3, j'ai également fait la page 33. Non, c'est pas dans celui-ci. Colo semaine, page 33, bah, c'est pas dans celui-ci. Bon, bah tant pis, il m'en manque un. Je sais pas pourquoi j'ai marqué celui-là, alors. Non, attendez. Ouais, je sais plus. Bon, c'est pas celui-là que j'ai fait, donc je sais plus lequel. Vous le verrez peut-être plus tard, du coup. Et dans... dans le tout nouveau, enfin dans le tout nouveau, dans le numéro, dans le coloriage sans pourtant mystère, le numéro 14 qui était actuellement dans les supermarchés il n'y a pas très très longtemps, je m'étais pris celui-ci hein, qui a les thèmes rentrée, automne, cuisine, animaux et Noël. Dans celui-ci, j'ai réalisé un colo sur le thème d'Halloween. Voilà. Et celui-ci a été fait au Zonar. Voilà. Zonar, c'est des crayons de couleur que j'avais achetés sur Amazon. C'est vendu avec une pochette. Et j'avais beaucoup aimé. Et je les aime beaucoup. Et ils descendent vraiment beaucoup. Parce que je les utilise vraiment beaucoup. J'ai beaucoup dit beaucoup en très peu de temps. Donc voilà mes colos que j'ai réalisé ce mois-ci. Donc ce mois-ci, non, au mois d'octobre, pardon. Donc voilà tous les dessins que j'ai réalisés au mois d'octobre. Sur ce, ma vidéo est terminée. Je vais vous laisser. Je vais tourner tout de suite après, mais vous l'aurez que dans quelques jours. Dans quelques jours, je vais tout de suite vous tourner mes colos du mois de novembre. Et regardez cette fameuse page 33 de où elle vient, hein, que j'ai un petit peu, voilà, que j'ai un petit peu égarée. Donc, je vous la présenterai en premier. Ensuite, on passera sur les colos du mois de novembre. Sur les colos du mois de novembre, j'en ai fait beaucoup, beaucoup moins. En octobre, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au mois de novembre, vous allez, ça va aller très vite. J'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'en ai fait que 7. J'en ai quasi pas fait. 7 ou 8, ouais. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.